Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye et nous vous proposons aujourd'hui un cocktail d'opportunités, de défis et d'initiatives audacieuses d'économie d'entrepreneurs africains. Cette semaine, le Forum des affaires UE-Afrique 2022 peut être considéré comme un succès, ayant permis de lever plus de 500 millions d'euros. L'événement a souligné la nécessité d'une collaboration entre le secteur public et le privé pour relever des défis de longue date tels que l'immigration. Les jeunes Africains ont acquis la réputation de créer des entreprises. Cependant, de nombreux entrepreneurs africains décrivent également les conditions défavorables qui tuent leur activité. Nous découvrons pourquoi leur entreprise ne dure pas. L'Ouganda a annoncé une suspension de 2 ans de son adhésion à l'Organisation internationale du café dans le but de faire pression sur l'organisation pour qu'elle réponde à ses préoccupations en tant que pays producteur de café. Des accords d'une valeur d'un demi-million d'euros ont été signés, des milliers de jeunes des deux continents ont participé et plusieurs résolutions ont été prises sur les questions critiques de la vaccination Covid-19, des infrastructures, de l'immigration et de la collaboration mutuelle. Le Forum des affaires UE-Afrique 2022 a été, selon tous les critères, un succès et nous mettons en lumière les détails des accords conclus dans ce rapport. Le 7e Forum des affaires Union européenne-Afrique a été un succès retentissant pour les entreprises et les populations de ces deux continents qui entretiennent des liens historiques très riches. À Bruxelles, c'est sur plus de 20 accords que les représentants européens et africains ont apposé leur signature. Nous estimons que pour surmonter l'impact du Covid-19, l'Afrique doit mobiliser 295 milliards de dollars en 5 ans. Alors, comment arriver à ce point? Est-ce possible? Oui, c'est possible si nous avons des bases solides pour les investissements du secteur privé, la transparence et la responsabilité des dépenses publiques, la mobilisation des ressources au niveau national doit atteindre au moins 15% du PIB, voire 20 ou 25%. Et le soutien international doit être assez élevé pour transformer le continent africain. Parmi les accords conclus, ceux entre Afriximbank et les banques de développement allemandes et françaises visent à renforcer la production de vaccins en Afrique pour un montant total de 300 millions d'euros. J'étais en décembre à l'Institut Pasteur de Dakar. Et je peux vous dire que ceux qui pensent que l'Afrique ne peut pas produire de vaccins ne sont pas attentifs. Je suis très fier que le Sénégal utilise une partie de sa nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux pour stimuler la production de vaccins au Sénégal pour l'Afrique. L'Union européenne a également engagé davantage de ressources pour AgriFi, un projet dont le budget est estimé à 98 millions d'euros. En faveur des énergies propres, une initiative a été financée à hauteur de 73 millions. Au-delà des nombreux engagements financiers, le forum a souligné l'essence du partenariat public-privé pour résoudre des problèmes de longue date comme l'immigration. Albert Mutsunga, commissaire de l'Union africaine chargé du développement économique, du commerce, de l'industrie et des mines, nous en dit plus sur ce rapport. Monsieur le commissaire Mutsunga, vous avez exposé les besoins en investissement et le potentiel de croissance de l'Afrique et appelé à de nouveaux partenariats pour soutenir la vision de l'UA. Quelle est votre réflexion sur le forum? Nous avons eu des défis liés au Covid-19 et les restrictions qui en ont découlé. Reste que les gouvernements et le secteur privé n'ont pas baissé les bras. Les responsables de gouvernement ont pu s'engager dans ce processus et dialoguer entre eux et clarifier un grand nombre de questions politiques, là notamment où le secteur privé attendait des réponses. Et nous encourageons le secteur privé à s'engager dans des accords inter-entreprises. Plus de 500 milliards d'euros ont été signés en tant qu'accord entreprise. C'est un succès. Le public ciblé était de plus de 10 000 personnes. On m'a signalé que pendant une session, il y avait au moins 17 000 personnes en ligne. Encore une fois, cela montre l'enthousiasme
autour de ce forum. Maintenant, c'est renforcer les échanges d'expériences entre les opérateurs africains et européens. Quelles sont les questions qui sont ressorties des débats et qui devraient être abordées par les dirigeants politiques présents au sommet ? Un certain nombre de problèmes ont émergé, dont l'un est le manque d'informations sur les opportunités de transactions interentreprises entre l'Afrique et l'Europe. Et à la suite de cela, je pense qu'une étape très importante a été franchie par l'Europe, notamment dans la volonté de créer une passerelle mondiale. Et à partir de cette passerelle, beaucoup de ressources seront affectées à l'Afrique. Il y a aussi la question du fait que l'Afrique est un continent jeune. Il a la capacité de vraiment combler le déficit en population, permettez-moi de dire le déficit démographique auquel l'Europe est confrontée, en rationalisant la migration afin qu'il y ait plus de migrations régulières que de migrations irrégulières. Au final, nous avons conclu à la nécessité de renforcer le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Ainsi, aussi bien au niveau de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement que dans la déclaration des chefs d'entreprise, et ce, pour accentuer un partenariat et pour le mettre plus en avant. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le commissaire Muchanga, pour ces précisions. Avec 4 des 9 pays ayant le plus d'entrepreneurs par habitant situés en Afrique, selon une étude menée par le groupe de mise en réseau des entreprises basées au Royaume-Uni, Approved Index, il n'y a aucun doute sur le zèle du continent pour la création d'entreprises. Et pourtant, de nombreux entrepreneurs africains ne survivent pas à l'environnement commercial féroce et de nombreuses entreprises ne parviennent pas à fêter leur premier anniversaire. Dans ce rapport, nous explorons certains facteurs qui affectent négativement la facilité de faire des affaires en Afrique. Avec un potentiel d'environ 6,6 milliards de dollars, aucun dirigeant africain n'ose sous-estimer la valeur des start-up sur le continent. De nombreux jeunes Africains considèrent désormais l'entrepreneuriat comme la voie idéale pour échapper au chômage. Cependant, de nombreux entrepreneurs africains déplorent les conditions défavorables qui pénalisent leur entreprise. Pour lancer une entreprise à succès sur le continent, il faut un financement adéquat. Cela a posé de grandes difficultés aux entrepreneurs. Lorsque des jeunes entreprises demandent des prêts bancaires, elles doivent faire face à des taux d'intérêt élevés qui ne correspondent pas au retour sur investissement attendu. Selon les experts, les agences gouvernementales doivent se montrer à la hauteur en mettant en place des systèmes de soutien au crédit pour les entrepreneurs africains. En outre, de nombreux entrepreneurs abandonnent très souvent en raison des politiques strictes et incohérentes, par exemple dans des pays comme le Nigeria, l'Éthiopie ou encore la République démocratique du Congo. Il est nécessaire d'améliorer l'approvisionnement en électricité qui freine très souvent la production. Par ailleurs, les dirigeants africains doivent réviser les taxes élevées prélevées sur les petites et moyennes entreprises. Si ces réformes sont réalisées, elles permettront non seulement de promouvoir l'esprit d'entreprise, mais aussi d'attirer les investissements étrangers en Afrique. Fort de ses recettes de 75,2 millions de dollars au mois de décembre, l'Ouganda a suspendu son adhésion à l'Organisation internationale de café, OIC, afin d'obtenir de meilleures conditions de la part de l'organisation en matière d'indicateurs de prix et de classification. Bien que l'Ouganda ait rassuré ses parties prenantes, y compris les agriculteurs, que la suspension n'affectera pas leur exportation puisque l'OIC ne réglemente pas le commerce du café, il reste à voir si cette initiative audacieuse, visant à exiger un meilleur traitement en tant que pays producteur de café, portera ses fruits. L'Ouganda a annoncé une suspension de 2 ans de son adhésion à l'Organisation internationale du café, OIC. Alors que le pays commercialise la boisson dans le cadre de l'accord international sur le café depuis 2007, cette décision fait écho aux reproches émis par plusieurs autres pays producteurs qui estiment que l'accord ne favorise que les pays consommateurs. En refusant de soutenir la prorogation de 2 ans de l'accord international sur le café, l'Ouganda espère faire pression sur l'organisation pour qu'elle réponde à ses préoccupations.
Parmi elles, le pays souhaite notamment que l'OIC prenne en compte la valeur ajoutée du café et pas seulement celle des grains verts. Un système qui favorise des pays consommateurs comme les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui achètent seulement le café vert pour y ajouter de la valeur et obtenir ensuite les meilleurs prix. L'autre préoccupation de l'Ouganda est que la classification des cafés à l'OIC ne favorise pas le caractère unique du pays en tant que lieu de naissance du café Robusta ou de l'Éthiopie en tant qu'origine de l'Arabica. Les recettes mensuelles des exportations de café de l'Ouganda en décembre ont atteint le niveau record de 75,2 millions de dollars, une belle performance pour le pays qui n'avait pas connu de tels résultats depuis 2011. Selon l'autorité de développement du café en Ouganda, le fait que le pays n'adhère pas à la prolongation de 2 ans de l'OIC 2007 n'affectera en rien les exportations ou le commerce du café puisque l'organisation internationale n'en réglemente en rien le commerce. C'est la fin de ce numéro de Business Africa en espérant que vous soyez prêts à investir et à saisir toutes les opportunités. Merci d'avoir regardé et à très vite sur Africa News. Thank you.